Des sculptures pharaoniques miniatures, sculptées sur des pointes de crayon. L'idée peut paraître surprenante, mais pour l'artiste égyptien Ibrahim Dilel, il s'agit d'une forme d'expression. À l'aide d'un microscope, d'outils de sculpture et d'un crayon, l'homme de 28 ans s'engage à conserver l'héritage culturel égyptien, mais ce, à travers un art singulier et difficile à mettre à l'œuvre, de la sculpture miniature sur graphite. J'ai essayé plusieurs fois et mes premiers essais ont échoué jusqu'à ce que je parvienne à réaliser ma première sculpture, ce qui m'a remonté le moral et m'a permis de continuer. J'ai commencé à me concentrer davantage et à partager mes œuvres par le biais des médias sociaux et j'ai remarqué que les gens aimaient ce que je faisais. Mes premières idées étaient un peu faibles. L'art doit être basé sur une idée, donc je dois discuter d'une idée spécifique ou envoyer un message spécifique à travers mon travail. Depuis ses débuts d'artiste, Ibrahim Dilel dédie son art à la représentation miniature de symboles de l'histoire et de la culture égyptienne. Je pense que l'héritage égyptien est la meilleure chose à préserver avec ce genre de sculpture. Quand j'ai commencé à poster mes œuvres pharaoniques, la réaction a été incroyable. Cela m'a incité à poursuivre mon travail sur cette idée et à le développer pour que la qualité s'élève et soit au même niveau que celle des artistes étrangers qui maîtrisent ce genre d'art. Diplômé de la faculté de droit, le sculpteur partage son art sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, par exemple, il a créé une chaîne où il révèle toutes ses techniques. Prochaine étape, Ibrahim Dilel prévoit d'organiser une exposition lucrative pour vendre ses œuvres.